Bonjour à tous et à toutes, ici Glinka et bienvenue. Cette semaine, après le super ATV qu'on a eu, il fallait s'attendre à ce que le reste de la semaine soit plus tranquille. Pas de Bug Smasher ni d'autres productions que j'appelle extra. Commençons donc avec le Citizens of the Stars. Cette semaine, c'est John Erskine qui se retrouve sur la fameuse chaise des Quantum Questions. John est dans le jeu vidéo depuis 1998. Info plus intéressante, Star Citizen supportera d'autres langues que l'anglais. Il révèle que lors du GDC, le Game Development Convention, CIG ont discuté avec les gens de Twitch pour trouver des façons d'intégrer Twitch et Spectrum ensemble. Il est très excité par le nouveau launcher slash patcher que CIG développe. Il intégrera Spectrum et facilitera grandement la mise à jour du client. Il était temps qu'il fasse ça. Et c'est déjà tout pour les Quantum Questions. Cette semaine, la Trad Team s'est placée au troisième rang des MVP pour la transcription de la brochure du Anvil Hurricane. J'ose espérer qu'ils se classeront premiers éventuellement. Si vous ne connaissez pas la Trad Team, c'est que vous viviez sous une roche depuis un an. La Trad Team fait d'excellentes traductions des poses de CIG depuis déjà un peu plus qu'un an. Je vous mets le lien vers leur site dans la description, comme toujours. La Trad Team continue de s'illustrer avec l'interview exclusive de Ben Lesnick et Jared Huckabee qui a eu lieu pour leur premier anniversaire. Je vous dirai bien de quoi il retourne, mais je préfère que vous alliez la regarder vous-même. Le lien dans la description. Il n'y a pas que la Trad Team qui fait parler d'elle cette semaine. Le site StarCitizen.fr ont posté, suite à l'interview de la Trad Team, un thread sur Spectrum, la plateforme de communication de CIG, ayant pour but, de faire valoir l'existence des autres communautés non anglophones. Suite à ce post, un mouvement de masse a eu lieu, ayant pour résultat le thread le plus upvoté de l'histoire de Spectrum. Plus de 1100 upvotes. Encore une fois, description. Je ne pourrais pas passer à côté du Jump Point qui est paru en début de semaine, sans avoir un petit remords. Il sera évidemment traduit par la Trad Team si c'est pas déjà fait. Clin d'œil. Mais bon, le Jump Point en question traitait surtout du développement du concept du Hurricane, des images concept que les différents départements se sont échangés, bref, Ship Pipeline, on connaît déjà. Je serais ravi, au-delà de toutes espérances, si CIG reconnaissait publiquement le travail et l'implication des communautés francophones sur une base régulière. Bon, je sais, là, j'ai un parti pris, c'est évident, mais ça fait chaud au cœur de savoir qu'au moins, ils savent qu'on existe. Et vous, que pensez-vous de la relation qu'a CIG avec les autres communautés non anglophones? Dites-le dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, un petit like, un commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur les médias sociaux. Tous les liens sont dans la description. C'était Glinka, je vous dis merci et à la prochaine!